Le DMH. Le DMH. On va commencer avec toi, man Patrick. Ah, what's up? Donc, mon nom est Patrick Zach 2. Je suis jeune artiste de 16 ans. J'ai grandi dans le monde de la musique grâce à ma mère qui est une chanteuse gospel. Okay. J'ai commencé par être un pianiste pour elle. Mm-hmm. Dès l'âge de vers 11 ans, j'ai eu la chance d'aller avec elle en tournée en Guadeloupe, okay. Martinique, Afrique du Sud. Mm-hmm. Donc, grâce à elle, j'ai commencé à être exposé au niveau de la musique. Et vers l'âge de 12-13 ans, j'ai fait un choix entre le basketball ou la musique. Okay. Et j'ai pris la décision d'aller dans la musique. Et c'est un gros choix, ça. Hein? C'était top. Basket, musique. Gros choix. En effet, c'est un choix que je pense beaucoup d'artistes ont eu à faire. Mais bon choix, je pense, parce que ta musique est excellente. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans ta voix. Je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel. Merci beaucoup. On va demander à ton acolyte de se présenter ici. Zach, what's up? Salut, mon nom c'est Zach. Zachary Morier, j'ai 17 ans. Je viens d'Abitibi, je viens de Rouyn-Noranda. OK. Dans le fond, moi j'ai juste commencé l'an passé à rapper, vraiment. J'ai fait un peu comme Patrick, dans le fond. Moi, c'était le choix entre le hockey ou continuer. Dans le fond, continuer dans la musique. Moi, j'ai dit que je me lançais dans le rap. Okay. J'avais des amis qui m'avaient conseillé un peu, qui m'avaient dit tu devrais essayer. Comment vos parents ont réagi, même? Parce que moi, je me rappelle quand j'avais votre âge. Le choix de devenir musicien, c'est quand même assez controversé pour nos parents qui sont d'origine africaine, haïtienne, etc. Mm-hmm. Ils veulent qu'on continue l'école. Souvent, j'imagine, toi, tes parents étaient dans le monde de la musique, fait que c'était un peu différent. Mm-hmm. Mais comment vos parents ont réagi par rapport à ce choix de carrière? Au niveau de l'école, ça ne change rien. On continue quand même à l'école. Mais c'est quand même... J'ai eu la chance d'avoir des parents, justement, qui savent un peu plus que, tu sais, juste l'école. Wow. Grâce à ma mère, justement, qui était déjà dans l'industrie, elle m'a poussé, justement, à la place de dire, oh, peut-être c'était bac et juste focus sur l'école, mais elle m'a dit, tu sais, si t'es capable de faire les deux, fais les deux. Soit, elle m'a poussé, même avec mon père, ils m'ont poussé pour aller dans la musique. Ok, ça, je pense que c'est une bonne chose quand même. Mm-hmm. Et puis, toi, Zach, tes parents, comment ils ont réagi? Mes parents n'ont pas vraiment réagi, c'est que ça a été un peu une surprise. Ma mère, elle s'attendait pas vraiment à ce que je me lance dans le rap. Okay. Mais pour eux, je pense que qu'ils considèrent encore ça comme juste un hobby, donc pas nécessairement une carrière. Je veux dire, c'est ça, je reste à l'école, j'ai un plan B, j'ai un backup plan, fait que j'ai pas... Je pense que c'est important pour aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent dans l'auditoire d'avoir justement ce plan B. Ouais. On sait que, bon, vous êtes extrêmement talentueux, fait que déjà là, vous avez peut-être un avantage par rapport à plusieurs autres jeunes artistes, mais en effet, on s'entend que d'avoir une deuxième option, c'est toujours quelque chose de bon, right? Mm-hmm.